Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle ActuFIA. Aujourd'hui, on va commencer un coloriage en pas à pas. Parce qu'en fait, je voudrais faire un fond, je voudrais filmer un fond avec les pastels. Je ne vais pas les sortir maintenant parce que comme je ne vais pas les commencer maintenant, je vais d'abord avancer le bonhomme et le lapin. Donc en fait, j'ai choisi celui-ci, de commencer par celui-ci. Donc c'est un joli dessin de Jefferson Cruz. On l'a connu grâce à Meg qui le suit depuis très très longtemps. Et en fait, depuis un petit moment, mais pas non plus trop d'années quoi, il fait des dessins. Avant, il colorie aussi les dessins des autres, principalement. Il a une chaîne également. Et il fait maintenant des dessins, notamment celui-là. Et du coup, on a décidé de le mettre à l'honneur avec Meg. J'adore, je trouve qu'il dessine vraiment très très bien. Et enfin, si vous êtes sur Insta également, il fait des lives où justement il fait ses dessins en pas à pas. Un petit peu comme il fait Jashly des fois. Je ne sais pas si vous suivez ses lives, mais des fois Jashly, il les fait en. Il fait ses réels où il dessine et c'est sympa. Et là, il n'y a pas de méthode de quadrillage, rien du tout. Ils ont leurs feuilles, leurs crayons, leurs gommes. Donc, pour faire le petit bonhomme, j'hésite entre utiliser mes Albrecht. Toute façon, j'ai sorti la trousse à Albrecht et à Pete Pastel. Et j'ai jamais essayé le pastel sec depuis que j'utilise ce papier-là. Ça fait un petit moment que j'utilise ce papier-là, mais ça fait un long moment que je n'ai pas utilisé ces crayons-là. Donc je pense qu'on va tester ça aujourd'hui. Comme ça ira vite. Et comme je veux surtout faire le fond, et que là j'ai déjà à peu près mes idées de couleurs, ça devrait aller vite. Donc comme on va faire du pastel sec, je ne sais plus à chaque fois où je dois regarder celle-là. Je vais commencer de haut en bas parce que sinon, me connaissant, ça va être un carnage. Donc là, je vais prendre d'abord pour faire les cheveux. Je voulais pas partir en trop trop foncé. Pas trop trop clair non plus. Donc là, je vais vous donner mon premier combo qui va être peut-être peur que ça fasse un peu trop blanc celui-là. Non, vraiment, il faut que je prenne un plus foncé quand même. Je démarre une touche au-dessus, peut-être celui-là. Une touche au-dessus. Ouais, je vais déjà vous donner le combo que je vais utiliser pour faire les cheveux. Je vais commencer par les cheveux. Donc, je vais utiliser en teinte la plus foncée 176. Là, faut que je la nettoie, ma loupe, elle est sale. Me faut du produit et tout là. Donc la plus foncée, j'ai pris donc la moyenne, l'entre-deux, c'est 283. Et la plus claire, 183. C'est pas ce que je viens de dire? Ah non. 283 et 183 et le plus foncé 176. Pense pas mettre du blanc, mais au cas où, je l'ai sorti. Et on verra bien. Voilà. Alors, je vais mettre. La tablette sur la perche et on va commencer le pas à pas. On va se prendre le petit appui
pour être bien confortable. Et donc aujourd'hui, on va faire la première partie de ce dessin pas à pas pour aboutir au fond, aux galeries, au pastel galerie, avec les cheveux. C'est parti, on y va. Elle a déjà payé fin 2022 une première amende de 500 millions. On n'avait déjà pas respecté, c'est énorme, 500 millions. On n'avait déjà pas respecté les quotas. Et là, il y a un reportage de 20h de TF1. Voilà, une vérité. C'est faufilé dans le 20h. Qui montre que 1200 hectares de forêt des Landes ont été rasés en cours pour remplacer par 1200 hectares de forêt de panneaux solaires made in China. Et les écolos trouvent que c'est très écolo. Donc maintenant, les écolos rasent les forêts. Oui. C'est assez choquant. Mais je vais dire un truc. En Allemagne, ils ont une forêt, vous avez une forêt millénaire, avec des arbres qui ont inspiré les frères Grimm. D'ailleurs, l'histoire de Blanche-Neige a été inspirée par le décor de cette forêt-là au fond des arbres. Ils ont décidé de raser 120 000 arbres pour mettre des éoliennes chinoises à la place. Les gens, les habitants locaux et autres, ont décidé donc d'aller en justice devant le tribunal administratif. Ils sont retrouvés face, bien toi bien, au parti écologique et à ses avocats. D'accord. Et donc, le parti écologique, écologie devient un business. Hein. Devient un business comme les deux. Et donc, c'est l'escrologie mondiale. Voilà, l'escrologie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le parti écologique et ses avocats ont gagné et ont obtenu le fait qu'on coupe, qu'on rase la forêt. Et en plus, c'était un lieu de mémoire. Cette forêt, à l'époque où elle devait, il était par exemple interdit à quelqu'un qui va s'y promener, par exemple, d'allumer un barbecue. Parce que l'endroit est très sensible, il y a une faune, il y a une flore, et tout ça, on ne touche à rien. Là. Eh bien, elle a été rasée pour amener des éoliennes chinoises. Les éoliennes chinoises... Tu sais, ça me rappelle le maire de Bordeaux qui avait remplacé le sapin de Noël par un sapin en verre, en béton et en plastique. Oui, c'est ça. Bah, je recommande aux gens qui nous regardent, après avoir fini cette vidéo, d'aller googler le lac de Baotou. Le lac de Baotou en Chine. Le lac de Baotou en Chine se voit depuis l'espace, on peut le voir sur Google Earth. Et en fait, il a 12 km de long. C'est les déchets que versent 24 heures sur 24 les industries qui fabriquent les éoliennes. Les industries, donc, parce que les éoliennes, c'est quoi? C'est des grosses dynamos, des dynamos de vélo. Elles ont besoin de métaux rares, parce que les aimants ne sont pas comme ça dans la nature. Les aimants, ce qu'on appelle au néodyme. Le néodyme est un métal rare. C'est ce qu'il faut pelleter des millions de tonnes de terre pour extraire ce métal-là en toute petite quantité. Ils le font en Chine, et ils le font aussi, depuis quelques années, ils le font en Birmanie à côté. En Birmanie, par exemple, ils injectent ces mafias chinoises qui font cela, en cache, ils vont dans une montagne, ils injectent, ils font des trous, ils injectent des produits chimiques dedans. Après, ça fait dissoudre un certain nombre de minerais qui les intéressent, qu'ils récupèrent dans des sortes de fosses ou bas. Et puis cette boue, une sorte de boue de couleur bleuâtre, pourrie, et bien celle-ci est enrichie justement en métaux rares, elle est transportée envers des usines qui vont encore la travailler pour extraire ces néodymes. 125 kg de néodymes par mégawatt d'éolienne. L'éolienne, c'est 2-3 mégawatts. C'est 250-400 kg de néodymes. La Chine contrôle ce marché parce qu'en réalité, il n'y a pas moyen de produire sans une pollution absolument atroce. Donc, on vend donc les éoliennes, on les ramène depuis la Chine et elles ont aussi des dates d'expiration dans le sens où il y a une sorte d'obsolescence programmée dedans. Elles ne sont pas éternelles, les éoliennes. Elles durent 15 ans, 20 ans. Le but, c'est qu'on les installe. Dès qu'on a fini de les installer, on commence à négocier le prochain contrat. C'est une véritable catastrophe économique, écologique. C'est un business, c'est tout. C'est juste un gros business. C'est un business. Alors, à propos du business, je vais vous donner un exemple. Au Royaume-Uni, en 2015, le Parti conservateur, parce que les gens avaient ras-le-bol des éoliennes, a créé un moratoire sur les éoliennes au Royaume-Uni. Il arrive au pouvoir, il respecte, ça arrive, c'est rare, mais il respecte sa promesse électorale. Mais par contre, attention, c'est qu'ils ont dit, nous on a dit pas sur terre, mais sur mer on n'a rien dit, donc on peut construire des éoliennes sur mer. Elles coûtent 4 fois plus cher à construire, donc ça fait 4 fois plus de subventions. Par la suite, la famille royale arrive, la reine à l'époque. Elle dit oui, mais depuis Guillaume le Conquérant, depuis l'an de grâce 1066,
la mer autour du Royaume-Uni et le sol m'appartiennent, sont à moi. Donc, pour construire des éoliennes, ils ont payé. Donc, ils ont commencé le domaine de la couronne, le Crown Estate, Royaume-Uni, a commencé à vendre des licences pour installer des parcs éoliens au large. Et en plus de la licence, qu'on paye 2% du chiffre d'affaires de l'éolienne à la couronne chaque année. Donc, la couronne est en train de prendre 1 milliard de livres sterling par an en émoluments pour ces machins. Alors, on peut comprendre que le roi Charles, à la suite, va dire que le climat, c'est le futur, c'est notre combat principal, c'est mondial, tout ça. Bien entendu, c'est du business, c'est en train de rapporter. Voilà. C'est extrêmement intéressant et puis faire savoir ça partout. Hein. Merci de raconter tout ça. Et puis, je rappelle qu'en France, on a normalement le programme nucléaire qui permet d'élever beaucoup moins cher l'électricité. On a des barrages hydroélectriques, parce qu'on a beaucoup d'eau. Et il se trouve que ces barrages, on n'investit plus parce que si on bouge le petit doigt, la Commission européenne peut nous obliger à les tirer dessus. Voilà. C'est pour ça qu'on va d'astrologie à côté de ça. On nous impose des trucs dégoûtants. Et on ne nous permet pas, on nous interdit même de faire les choses qui sont bien. Et je ne sais pas si ça te frappe, moi, mais avant, l'écologie, pour l'écologie, enfin, je veux dire, on n'a pas envie d'être dans une décharge publique, avant, l'écologie, bon, c'est des horreurs, avant l'écologie, il y a plusieurs dizaines d'années, on nous parlait de la faune et de la flore, la protection animale, on nous parlait des espèces, on nous parlait de la pollution des sols, des eaux, on nous parlait de, quand même de, enfin, je ne sais pas, je trouve de vrais sujets, qui sont pour moi des vrais sujets environnementaux. La qualité de l'alimentation, aujourd'hui, c'est le climat à 150%, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, il y a que ça, c'est fini. Beaucoup de gens comparent le climat à justement à ce que tu as cité comme exemple, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, tout ça. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas le climat qui le dit. Le climat est un plan économique au départ. Mais le reste, on en parle même plus, en fait, de la qualité de l'eau. C'est fini tout ça, on n'en parle plus, parce que c'est devenu un business, et par définition, c'est un programme de redistribution de richesses. On redistribue les richesses, ça signifie qu'on va prendre les pays, par exemple, occidentaux, par exemple, la France, on va traîner l'épargne des gens, on va créer de l'inflation artificielle, des politiques inflationnistes sur les tout ça, et puis, tout cet argent que les Français sont en train de perdre, sera récupéré par des forces qui se sont spécialisées dans la récupération de ce genre de choses. Il y a aujourd'hui des banques qui créent des branches spécialisées dans l'investissement climatique, dans la récupération des subventions, dans les prêts pour les éoliennes. Combien de Français on a arnaqué pour les panneaux solaires? Combien de Français ont joué avec un démarcheur à leur porte qui leur dit « Je vous offre, je viens de la part de l'État, je vous offre des panneaux solaires gratuits ». Ils signent un document, et en fait, le document finit à la banque, et puis après, ils se retrouvent avec 40 000 euros de dette sur leur dos. Le tribunal en France n'arrête pas d'en annuler parce qu'ils leur font signer des contrats frappés par des clauses de nullité, littéralement, des contrats, des fois raturés, des fois pas signés, des fois. Mais il y a un véritable engouement pour le système bancaire, pour ce genre de choses, parce que c'est une manne, les gens touchent des commissions à tous les niveaux, mais l'écologie, la vraie, on s'en fiche. Personne n'en parle, ils ont même des accords de libre-échange. L'Union européenne en signe sans arrêt, ils sont très couleurs, eux, en réalité. Tu disais, c'est un problème de redistribution des richesses, mais j'y ajoute, c'est un problème de redistribution des libertés aussi. Parce que ça permet d'enlever, comme le quotidien, comme tout, ça permet d'enlever à la masse des libertés, des statiers, la justice, voilà, de choisir son mode de consommation, etc. Et ça permet une seule petite élite, elle pourra continuer d'utiliser ses jets privés, ses yachts, etc. Ses voitures de sport, mais pas la masse. C'est ça, on a des directives européennes, maintenant, qui les décident, on a les LFU, on a le projet de passe carbone. Enfin, tout ça, c'est pas de la fantasme, ça, c'est de la réalité. Oui, absolument. En fait, ils veulent créer une sorte de vie qui est payante. On fait payer à l'acte, hein, comme vous l'aimez pas. Chaque acte de vie, je me réveille le matin, je démarre ma voiture, ou je prends une douche, je vais manger, ou je voyage, tout ça, l'État va percevoir, va taxer une taxe là-dessus. Et cette taxe est tellement va en croissant jusqu'au moment où elle devient dissuasive. Jusqu'au moment où je me dis, j'ai faim, mais je ne peux pas manger parce que j'ai de quoi payer à manger, mais je ne peux pas payer la taxe qui ira avec. Et ça, les élites n'ont pas de problème avec ça. Eux, s'ils doivent payer les 100 000 euros par an de liberté, ils payent. Hein. C'est pas un souci parce que de toute façon, ils devraient capter ça par la suite.
ils sont spécialisés dans la captation, donc c'est pas un problème pour les riches. Oui, je rappelle que dans le projet de bas carbone, un projet très abouti qui est pensé dès les années 90, d'ailleurs, c'est Tony Blair, un des premiers promoteurs, et ça a été repris ensuite par Davos, tout ça. Maintenant, l'Union Européenne travaille beaucoup. Dans les projets de bas carbone, on est limité, bien sûr, mais on peut racheter du droit de la liberté d'émettre du carbone à condition d'avoir l'argent. Ça, c'est dans le projet. Oui. Ouais, c'est pas une loi de tout le monde, je veux dire. C'est en fonction de ton capacité économique. Pour expliquer la mentalité de ces gens, j'avais enseigné une fille extrêmement riche. Je donnais une époque quand j'étais étudiant. J'étais étudiant, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Mais j'enseignais une fille d'une famille extrêmement riche. Sans chauffeur, je venais m'attendre dans une voiture sélectueuse, il me ramenait au cours et tout ça. Et un jour, son père m'a dit, et cette fille, en fait, elle s'en fichait complètement, elle n'avait pas envie d'étudier. Elle était intelligente, elle n'avait pas envie d'étudier. Elle avait tout dans la vie, elle voulait s'amuser de tout. Et son père m'a dit, le problème, je vais vous dire le problème de l'université. Il m'a dit, si vous facturez 50 000 euros par an à tous les élèves qui viennent étudier, eh bien, ma fille, elle, va avoir une chance là-dedans. Elle pourra s'en sortir, mais le problème, c'est que l'université, c'est quasiment gratuit. Donc tout le monde vient. Voilà. Parce que lui, il n'y a pas de problème à payer 50 000 euros par an. Mais comme ça, l'amphi, où nous avons 150 personnes, il y en a 12. C'est tous des enfants de riches. Ils sont traités comme des clients, ils reçoivent leurs diplômes tous. Et puis voilà. C'est comme ça qu'ils voient le monde, parce que l'argent n'est pas un obstacle pour eux. Oui, il y a une vision financière et une vision idéologique. Ouais. On est au croisement des deux, c'est on va aller un peu plus sur l'actualité qui n'est plus votre actualité, puisque vous avez quitté, bien heureux, l'Union européenne. Mais nous sommes dans l'actualité des élections européennes, le 9 juin. Et alors, ce soir, là, on est lundi, de toute façon, on diffuse le jour où on enregistre. Donc, on est lundi 27 juin. Ce soir, il y a un débat sur BFM TV. Toujours entre lui-même, toujours, thématiquement, y compris d'ailleurs la tête de liste communiste, alors que nous on a vu un demi-point en moins dans les sondages. Mais nous on n'a pas le droit, un demi-point. Il a fait tous les débats, il est parti. C'est 8 candidats qui veulent tous traiter dans l'Union Européenne, dans l'euro, dans Schengen, dans l'OTAN, dans la CEDH, dans l'OMS, etc. Dans le même, dans le marché européen d'électricité. Ça aussi, est-ce que c'est possible au Royaume-Uni, cette manque criant de pluralisme et de démocratie, on va dire tout simplement. On a encore un peu de chance au Royaume-Uni par rapport à la France, même si je ne dis pas que notre système est parfait. Il y a quand même des grosses fortunes qui achètent des titres, vraiment qui collectionnent des titres de journaux, et on se retrouve avec des empires comme l'Empire Murdoch ou autre qui littéralement, on peut pas rien acheter dans son empire. Par contre, ils ont vraiment l'intelligence de comprendre que s'ils achètent 50 titres de journaux et que tous étudient la même chose, eh bien, ça n'a pas de sens. Ils vont se flinguer, ils vont devoir vivre de pensions étatiques pendant qu'ils sont en France. Là, on a une certaine pluralité. Je regarde la télé, c'est un peu petit. Oui, absolument. Quand je regarde les titres le matin, je vais chaque matin, ça va être je regarde des fois, sur des titres intéressants, j'achète les journaux que je montre dans les vidéos. Eh bien, on voit de tout, on voit toutes les nuances. On voit de la gauche à la droite, du centre. Il y a encore une tradition journalistique au Royaume-Uni qui a complètement disparu parce que tous les journaux français sont devenus, on parle de la majorité, sont devenus des journaux étatiques. Pas par une nationalisation pure et dure, mais par le fait qu'ils disent d'injection. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui paye, ben c'est celui qui donne les ordres. Donc, maintenant, ils ont leur existence à des injections d'argent étatique. Donc, forcément, ils sont obligés de servir la parole. Farage, lui, a eu accès quand même, alors qu'il était refusé pour le Brexit, pour en sortir. Ça n'a jamais varié. Il expliquait, il disait, nous, on a quand même, j'ai quand même eu accès à un peu de médias et de débats, quoi. Oui. Même si les médias ne l'aiment pas, j'ai l'impression, mais il n'a pas de oui, il ne l'a pas, il parle de lui. Mais surtout que Farage avait justement cette tare de créer le scandale. C'est-à-dire qu'il était dans le Parlement européen, il se levait, on se rappelle tous comment il leur disait leur carte d'identité en face et la tête qu'il faisait dans ce Parlement. Voilà, je viens de terminer pour les cheveux.
Donc, j'ai bien utilisé les trois crayons que je vous ai dit. Plus, du coup, j'ai bien utilisé le blanc en plus. Et le blanc, si je ne m'abuse, c'est le 101. Donc, que j'ai rajouté au bout de ces trois-là. Avec les piques pastel. Voilà. Alors, j'espère que ce petit moment pour les cheveux du petit bonhomme, ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve demain. Et demain, je pense qu'on va faire le skin. Le skin tone. Alors, attends, j'aimerais bien... Voilà. Retirer la poudre. Voilà pour les cheveux. J'aurais même pu continuer à refaire encore une couche. Mais là, je trouve que ça va. C'est pas trop mal.